الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Honorable Imam de la Mosquée de Vendredi de l'Université Abdoul-Nébéli, président de la Ligue des Ulema, très cher Imam du Sahel, conseiller spécial du premier ministre en charge du Président du Sahel de ce concours, messieurs les représentants des partenaires du concours de mobilisation du Noble Coran et de la littérature du Prophète, messieurs les représentants des sections et sous-sections de l'ANEN, distingués invités, chers participants, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Longe à Allah dans la grâce de qui s'accomplissent les bonnes œuvres, que la paix et la miséricorde d'Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur cette famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui devront savoir jusqu'au jour de la résurrection. Longe à Allah qui nous a permis d'être ici présents à l'occasion du lancement de cette première édition du concours d'immunisation du Noble Coran et de la libération de notre guide et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, organisé par l'Association des étudiants musulmans du Niger. Je tiens tout d'abord, au nom du président national de l'ANEN, à remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement pour la circonstance. Mes remerciements vont également aux partenaires de ce concours, représentés ici par Dr Mahmoud Doukouré, pour leur soutien bénéficiant de l'organisation de ce concours. Nous remercions vivement Cheikh Bourema Hamdoula, président d'honneur de l'Association des étudiants musulmans du Niger et initiateur du dit concours, qui ne ménage aucun effort dans l'accompagnement des activités de notre association, notamment de l'enseignement et de la sensibilisation des étudiants en particulier et de la population en général. Honorables invités, chers frères de l'Islam, ce concours vient renforcer les différents efforts déployés par notre association en vue de promouvoir l'apprentissage des sciences religieuses aux étudiants musulmans dans les différentes universités, instituts et écoles supérieures du Niger. En effet, l'ANEN a été créée pour répondre aux importants défis de la communauté musulmane, notamment en milieu étudiantin. Elle s'est fixée comme objectif général de contribuer à la promotion des valeurs islamiques à travers la connaissance et la compréhension du Coran et de la Sunna. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait dans un discours biblique rapporté par Al-Bukhari et je cite, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné aux autres. Fin de citation. Chers invités, honorables invités, chers frères sallallahu alayhi wa sallam, je serai terminé mes propos sans rendre hommage à tous ceux qui ont contribué pour que cette activité voit le jour, notamment le comité de pilotage de ce concours, les membres du jury, ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont eu à nous soutenir dans les préparatifs, notamment les bureaux de la section de l'Université Abdoul-Nébéli de l'Association des étudiants musulmans du Niger, pour sa disponibilité tout au long du processus organisationnel de ce concours. Je tiens également à encourager tous les étudiantes et étudiants qui se sont inscrits dans le cadre de ce concours et que cela témoigne de votre attachement au principe de notre religion. Puisse Allah nous donner bonne chance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.